Je suis Sandrine Bertrandel, je suis la gérante d'Happy Move Metz. Happy Move Metz, c'est une franchise que je viens d'ouvrir, qui fait partie du réseau Happy Move. Et la spécificité, c'est que nous avons des vélotaxis à disposition des personnes dans le centre-ville de Metz pour vous transporter d'un point A à un point B. Nous avons deux vélos à disposition qui tournent dans la ville depuis un mois et le service fonctionne du mardi au samedi de 10h à 18h. Un vélo peut charger deux adultes avec des petits-enfants sur les genoux, ou même un adulte avec des courses, des valises, et même avec un animal, un chien, un chat. Si vous allez chez le vétérinaire, ils sont bienvenus. C'est un mode de transport complémentaire au bus ou au taxi. On ne se pose pas du tout en concurrent. Le vélo-taxi a comme spécificité de faire des trajets relativement courts au centre-ville. La plupart du temps, là où les autres véhicules ne peuvent pas venir. Et la spécificité aussi, c'est de faire du porte-à-porte. Vous pouvez soit appeler un vélo-taxi quand vous le voyez passer dans la rue s'il est disponible, soit vous appelez au 07 68 26 14 02. C'est moi qui vous réceptionne et vous pouvez réserver un vélo ou le demander dans les 15 minutes qui suivent. J'appelle un pilote et je vous l'envoie. Alors moi c'est Dominique, pilote d'Happy Move. On est assez bien reçu sur la ville. On travaille un peu avec tout style de personnes, que ce soit les personnes âgées, les étudiants, les gens qui font des courses. On a une clientèle assez variée quoi. On fait beaucoup centre-ville, Pontifroid, centre-ville, quartier-gare. Il n'y a pas vraiment de circuit préférentiel, quoi, mais moi principalement je m'occupe du Pontifroid et de tous les environs du Pontifroid. Il y a pas mal de personnes d'un certain âge qui ont été séduites par le projet. Et qui nous appellent, qui commencent à nous appeler, un peu comme les taxis, qui nous appellent, et on va les chercher à domicile. C'est l'avantage avec le vélo, c'est qu'on va vraiment au pas de la porte. Alors aujourd'hui il fait beau, mais s'il pleut, comment vous faites ? Nous, personnellement, on est à l'abri, les clients aussi, bien sûr. Et ça permet justement à certaines personnes d'éviter une averse, parce que nos clients sont bien à l'abri. Il est vrai que depuis qu'on a commencé à travailler, il fait beau. Alors je ne peux pas trop parler de la pluie. Mais on a eu une ou deux averses au mois d'août et... malheureusement, dans chaque mal, il y a un bien, ça amène de la clientèle quand même. Les gens veulent bien s'abriter dans notre jolie carrosse. On a un statut d'auto-entrepreneur, quoi. Arriver à en vivre, ça commence un peu à s'équilibrer, on va dire.